Sorcellerie. Plus précisément, on va parler des trois pouvoirs fondamentaux de chaque sorcier. Mon intention est de vous éduquer et de vous indépendantiser afin que vous ne soyez plus victime des autres, mais que vous assumez vos pleins pouvoirs et créez votre vie en conséquence. Être sorcier n'est pas le privilège d'une minorité. C'est une caractéristique que nous avons tous. Il s'avère simplement qu'une minorité de personnes décide d'activer leur pouvoir alors que d'autres se contentent d'être manipulés. Le premier pouvoir du sorcier, et je dirais même le pouvoir le plus fondamental, c'est le pouvoir de faire du bien ou du mal. Si vous ne retenez rien d'autre de ce que je vais vous dire, retenez ceci. On a tous le pouvoir de faire du bien ou du mal à travers ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et le principe qui anime ce pouvoir est celui de la récolte. En d'autres termes, on récolte ce qu'on sème. Si on passe la plupart de son temps à semer le bien, c'est ce qu'on va récolter. Et si on passe la plupart de son temps à semer le mal, c'est ce qu'on va récolter. C'est un principe incontournable qui colore les expériences de nos vies. On est responsable de ce qu'on sème jour après jour. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui est simplement le résultat de ce qu'on a semé jusqu'à présent. Et cela est vrai, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. Ce principe ne fait pas attention aux raisons pour lesquelles on sème le bien ou le mal. Tout ce qui importe, c'est ce qu'on a semé, car c'est cela qui détermine ce qu'on récolte. Sur ce, je vous souhaite bon ensemencement. Le deuxième pouvoir fondamental du sorcier est celui de définir les événements de sa vie. Tout événement est par définition neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est tout simplement. Mais très souvent, on a tendance à catégoriser les événements en tant que heureux ou malheureux. Et bien sûr, on impose cette définition aux autres. Le sorcier est celui qui comprend qu'il a le choix de soit accepter la définition populaire des événements qui l'entourent, soit de redéfinir ces événements de manière à ce qu'ils contribuent à son bien-être. En d'autres termes, le principe ici est de se réapproprier son bien-être. Tant qu'on laisse les autres définir les événements de notre vie, on sera toujours leur victime. Par contre, une fois qu'on assume la définition de tous les événements qui animent notre vie, on se réapproprie notre bien-être et on ne subit plus les définitions des autres. Sur ce, je vous souhaite bonne réappropriation. Troisième et dernier pouvoir fondamental du sorcier est tout simplement la persévérance. Une fois qu'on est conscient de la vie qu'on désire créer, on a besoin de persévérance pour dépasser l'environnement dans lequel on a évolué jusqu'à présent. La persévérance ainsi que la patience deviennent en ce moment des outils très précieux parce que tout le monde, sorcier ou pas, sera confronté à des défis. Le plus grand sorcier est celui-là même qui sait utiliser les défis pour gagner en maturité, en sagesse, en intelligence et en richesse. Le sorcier qui sait regarder tous ces défis comme des bénédictions est le plus grand des sorciers. Il évoluera très rapidement et laissera derrière lui un héritage d'abondance pour les générations futures. Sur ce, je vous souhaite bonne persévérance. Voilà mes chers amis de quoi sont faits les sorciers. J'espère maintenant que vous allez me rejoindre dans la sorcellerie au service.